Avec Pascal Blanchard, on va parler de l'histoire globale de la France coloniale, édité chez Philippe Ray. Alors, je disais que c'est le seul livre, avec un autre livre dont on parlera tout à l'heure, 800 pages et 700 pages, donc je n'ai pas c'est, pu c'est les... C'est moi qui l'ai amené, c'est ça que tu veux dire. Voilà, exactement. Et je te remercie. Donc, vous connaissez Pascal Blanchard, il est déjà venu ici. Bonjour, bonjour. Au Maghreb des livres, et il est historien. Il est co-directeur du groupe de recherche Achac et auteur de très nombreux ouvrages, dont Le racisme à l'image de construire ensemble en 2021, on en avait parlé ici même, et Colonisation et propagande, le pouvoir des images en 2022. Et ce livre, c'est 800 pages, une somme, un ouvrage collectif sous la direction donc, non seulement de Pascal Blanchard, mais de Nicolas Bancel, Sandrine Lemaire et Dominique Thomas, faudrait dire, yes. Puisqu'il est américain. Ils sont tous historiens et membres du groupe Achac, du groupe de recherche Achac, qui est co-dirigé donc par Pascal Blanchard. Et on doit à ce groupe les premiers travaux dans les années 90 sur les eaux humains, sur la culture coloniale en France et aussi un certain nombre de publications à partir justement des années 90 sur les effets, l'impact de la colonisation aujourd'hui. Donc c'est une somme. On expliquera comment vous l'avez conçue, mais quel était l'objectif d'abord ? Bonjour à toutes et à tous. Comme tout livre, l'objectif, c'est de répondre aussi de temps en temps à un ressenti qu'on avait dans des festivals, dans des conférences, dans des cours qu'on faisait. La jeune génération considère globalement que les historiens n'ont rien fait depuis 40 ans et se sont endormis sur leur laurier d'historien sur la période coloniale. On avait beau leur dire que quelques-uns et quelques-unes avaient travaillé, ils avaient ce sentiment, en découvrant cette histoire, que le travail n'avait pas forcément été fait depuis ces trois dernières décennies. Nous, on avait beau leur dire qu'il y avait quelques livres à lire et quelques articles et quelques grands chercheurs et chercheuses à travers le monde qui travaillaient sur l'histoire coloniale française. Mais d'une certaine manière, ils avaient besoin d'une forme de renouveau et aller chercher ces travaux anciens leur donnait le sentiment que c'était un peu dépassé par rapport à leur attente. Et donc, on a fait le processus interne, inverse. On a été rassembler la centaine d'articles qui nous semblent depuis deux décennies essentiels pour comprendre l'histoire coloniale dans sa globalité. Il n'y a pas un sujet majeur, un territoire dominant, une approche unique, une manière de penser le passé colonial. Ce n'est pas que de l'économie, ce n'est pas que du militaire, ce n'est pas que du politique, ce n'est pas que de l'idéologique, ce n'est pas que de l'imaginaire. On peut parler théâtre, cinéma, conquête, violence, droit, libération, décolonisation, idées politiques. Tous ces sujets-là font partie d'un background nécessaire et il fallait le rendre le plus disponible possible. Et de là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une liste. On est arrivé à 350 chercheurs et articles ou livres qui nous paraissaient majeurs, et on en a choisi 100. En se disant, d'abord que notre éditeur fera un tome 2 et un tome 3, ce qui va certainement arriver vu le succès du livre, mais surtout de rendre accessibles des travaux qui, nous, selon notre point de vue, avaient totalement changé notre rapport à l'histoire coloniale. Deuxièmement, un gros tiers des articles de ce livre n'avaient jamais été publiés en français. Aujourd'hui, vous le savez, ce n'est pas en France qu'on recrute le plus de chercheurs qui travaillent sur l'histoire coloniale, postcoloniale ou l'histoire de l'esclavage. 80% de ma génération travaille aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Espagne, en Italie, à Johannesburg ou à New Delhi. Il est plus facile d'avoir un poste à Tokyo et à Los Angeles sur l'histoire coloniale française qu'en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces auteurs ne publient plus en français. D'abord parce que, quelque part, leur public est d'abord anglophone. Et moi, aujourd'hui, je connais plus de thèses qui se préparent actuellement aux États-Unis ou au Canada sur le colonialisme français qu'en France. Et qu'il fallait montrer aussi cette diversité des approches, cette diversité générationnelle, ce travail qui fait qu'un article qui n'a pu être publié peut-être qu'en anglais il y a 10 ans a tout son sens aujourd'hui. Et demander à ces auteurs non pas de changer leur article, surtout pas, parce qu'ils avaient du sens au moment où ils ont été produits, juste de les calibrer pour faire que cette centaine d'articles, en réalité on a menti à l'éditeur puisqu'il y en a 110, on a poussé un petit peu le bouchon, nous permettent de raconter sur au moins 3 siècles et demi cette histoire coloniale. Donc voilà, d'avoir en une somme, ce qui en temps normal dans votre bibliothèque aurait fait 12 rayonnages. C'était l'idée. L'idée la plus simple possible de rendre accessible ce savoir, ce qui permet aussi à cette nouvelle génération de se rendre compte qu'il n'y a pas aussi dans cette histoire, d'abord que les gens ont travaillé, et que deuxièmement, il y a une vraie diversité
dans les sujets appréhendés. L'histoire coloniale, c'est une histoire totale, globale, mondiale, qui se regarde des deux côtés du miroir, mais pas simplement, qui se regarde aussi dans toutes ces contradictions, dans tous ces apories. Si vous n'allez pas regarder l'histoire du droit, vous ne comprenez rien à l'histoire coloniale. Si tu ne t'intéresses pas au théâtre ou au cinéma, tu ne comprends pas l'idéologie coloniale. Si tu ne regardes pas les faits sur le corps des femmes ou sur la violence sexuelle, tu ne comprends pas l'histoire coloniale. Et donc l'idée, c'était d'arriver à rassembler tous ces sujets, je le dis bien, sur le temps très long, sur toutes les aires géographiques, aussi bien l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique, le Canada, que de faire aussi un travail sur la culture coloniale dans la métropole et comment cette idéologie avait, quelque part, s'était diffusée et avait pu toucher un si grand nombre de personnes. Alors, comment expliquer, c'est un peu un paradoxe, tu viens de dire, Pascal, que il y a plus d'études concernant la colonisation française à l'étranger qu'en France. Comment expliquer que, en même temps, en France, on assiste à ce débat à l'infini sur le colonialisme, l'empire colonial français, comme si c'était une histoire. Enfin, c'est sans doute encore une histoire traumatique, mais est-ce que c'est particulier à la France ? Est-ce qu'il y a d'autres pays où ce débat est aussi polémique, aussi virulent, aussi indépassable ? Je pense, je sais pas, la Belgique, la Grande-Bretagne ou d'autres pays en dehors de l'Europe. L'histoire coloniale en France, si vous voulez la positionner dans son espace mémoriel, historiographique, politique, c'est le dernier grand tabou du XXe siècle. C'est à peu près l'un des rares sujets sur les 7 dernières campagnes présidentielles qui fait une polémique en termes d'histoire. Rappelez-vous la dernière, où on est revenu avec le débat sur la repentance. Je parle de la toute dernière, et je ne parle même pas de celle d'avant, où Emmanuel Macron parle du crime contre l'humanité, ce qui d'ailleurs devrait être la seule phrase qui reste dans les manuels scolaires en 2050, quand on regardera la campagne de 2012, par exemple. Tout ça nous fait dire que l'histoire coloniale, elle n'est pas terminée. Et d'abord, elle n'est pas terminée parce que la France n'a pas réglé son problème colonial. Elle est bien plus terminée dans les ex-pays colonisés qu'en France. Elle fait beaucoup moins débat à Dakar, à Hanoï et à Abidjan, ou à Pointe-à-Pitre, qu'à Paris. Qu'elle continue aussi à perdurer dans notre récit, parce que l'histoire des migrations post-coloniales fait qu'une jeune génération aujourd'hui s'attache à cette histoire. Elle fait que la France va être bientôt le dernier pays européen avec le Portugal, et encore ils vont nous rattraper, et surtout l'Italie, à ne pas avoir un musée d'histoire coloniale. Elle fait polémique ailleurs, oui, si tu vas au Japon aujourd'hui et que tu parles d'histoire coloniale, c'est très compliqué. Si tu vas en Italie, le sujet est encore tabou. En Espagne, il est relativement marginalisé. Très, très peu débattu en Italie. Exactement. Il y a des romanciers, d'ailleurs, qui s'attaquent au passé colonial de l'Italie plutôt que des historiens. Et d'autres pays sont plus en avance. La Hollande, les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre. Et l'Angleterre n'a pas une mauvaise conscience coloniale, par exemple. Donc il peut y avoir aussi des manières très différentes de penser le passé colonial. Mais en tout cas, c'est en train de muter dans beaucoup de pays. L'exemple de la Belgique, de l'Allemagne, par exemple, qui a donc eu un empire colonial, de la Suisse, dont on pense qu'elle n'a pas un passé colonial parce qu'elle n'a pas eu de colonie, mais elle a eu une idéologie coloniale et surtout une culture coloniale. Dans beaucoup de pays, c'est en train de changer pour deux raisons essentielles. D'abord, c'est une affaire de génération. Les hommes et les femmes politiques du présent ne sont pas des acteurs de cette histoire. Et deuxièmement, dans les nouvelles générations issues des immigrations, comme dans les nouvelles générations qui ont mondialisé leur regard sur le monde, l'histoire coloniale est juste une histoire essentielle. J'étais l'autre jour avec un homme politique français qui se targuait de connaître l'histoire de France. Il ne savait même pas que nous allons commémorer le 500e anniversaire du début, du premier pas de l'empire colonial français en 2034. Il ne savait même pas à quoi correspondait cette date. Et il se targuait de connaître l'histoire de France. Nous avons aussi affaire à une génération d'ignares, car notre travail n'a pas pu être fait pleinement et entièrement parce que l'histoire coloniale, au-delà d'être un tabou, a été relativement marginalisée dans sa capacité de recruter des jeunes chercheurs qui partent, travailler aussi à la placer au cœur même des enjeux de notre histoire et de notre récit national, le roman national par exemple, et puis tout simplement d'en faire un débat critique qui aurait dépolitiser le sujet. Il est toujours politisé, il est toujours émotif, il fait appel aussi à l'émotion, parce que les mémoires sont encore en conflit sur ce dossier-là, et puis nous vivons sur un territoire qui a un particularisme en Europe, première diaspora africaine, première diaspora antillaise, première diaspora maghrébine, et seule et unique diaspora pied-noir dans le reste de l'Europe. Ce qui fait quelque chose de tectonique, parce que ces mémoires ne sont pas les mêmes. Nous avons la même histoire, mais pas les mêmes mémoires. Tout ça explique pourquoi l'histoire coloniale est encore une histoire qui, quelque part, quoi qu'on en pense, ne s'est pas éteinte. Nous sommes en train de vivre les éclaboussures de l'Empire. D'ailleurs, ce serait une question qu'on ne peut pas évoquer là, mais justement, comment peuvent cohabiter des mémoires qui sont individuelles et fragmentaires
et l'histoire qui se voudrait un récit plus ou moins unique. Enfin, mais ça, c'est non, non, un non, non, c'est une question. Et quoi qu'on en pense, ça ne se passe pas si mal que ça. C'est-à-dire que nous sommes montés dans une génération où des gens qui n'ont pas les mêmes mémoires peuvent se parler. Ce qui n'était pas le cas des années 70-80 avec le temps de l'amnésie et du grand silence. Quoi qu'on en pense, aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur les gens qui viennent acheter des livres, on le voit avec le public avec qui on discute. Les gens se parlent beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. Parce qu'ils savent qu'ils ont une histoire commune. Et que la douleur de l'un et la douleur de l'autre, la mémoire de l'un ou la mémoire de l'autre peuvent être entendues. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Et puis que le travail a été fait par les romanciers, par les cinéastes, par les rappeurs, par la culture populaire, par Internet, où ces musées absents de nos rues et de nos quartiers, quelque part, eh ben, ça se fait aussi sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On voit énormément d'initiatives qui existent et la littérature est un extraordinaire pourvoyeur de récits. Et vous dites, vous soulignez justement la nécessité d'enseigner le peu de place que l'on consacre à l'école. Et de moins en moins dans les écoles. Je tiens à le dire que les nouveaux programmes sont encore plus. Oui, parce que réduits. Ça va être optionnel dans certains moments et les enseignants vont pouvoir choisir ou non de traiter cette question. Et quand on voit la difficulté pour les enseignants de la traiter dans les classes, car c'est eux qui ont le plus gros boulot. Pour nous, c'est facile, les intellectuels. Hein. C'est l'enseignant qui a la plus grande difficulté. Quand il est dans une seconde ou une première, et qu'il sait que dans sa classe, les mémoires sont différentes, que les approches familiales sont différentes, que le chef d'établissement peut lui demander d'y aller tranquille sur la question, c'est pour lui le plus difficile, parce qu'il parle avec des mémoires fractionnées dans la classe, d'une histoire dont on n'est pas, par définition, dans la même posture. Quand tu vois une image et que tu es issu d'une immigration, par exemple, et que cette immigration elle vient d'un pays, l'Algérie, ou des Antilles, ou du Sénégal, ou du Vietnam, tu n'as pas le même regard sur le récit. Et en plus, tu as le sentiment d'être à la marge du récit, et que tes grands-parents ou tes parents n'ont pas été reconnus par l'histoire. Et quand à côté, tu as un petit blanc qui ne se pose même pas la question de cette histoire, parce qu'il ne sait même pas qu'il y a quelque part, c'est aussi son histoire dans ce pays. Pour l'enseignant, c'est là que le travail est le plus dur, parce qu'il a toujours l'impression d'être sur une histoire incandescente. Et en fait, le plus simple quand ça brûle, bah, c'est de ne pas y toucher. Et ce n'est pas du tout une critique à leur égard. C'est que l'éducation nationale, à ce niveau-là, ne prend pas assez conscience à la fois de l'importance de ce récit et deuxièmement, que la difficulté, elle est pour nos enseignants de leur donner des outils, par exemple un musée. Il est aberrant que dans ce pays où il y a 12 744 musées, tu n'as aucun musée d'histoire coloniale. Ce qui est déjà quand même le début. Alors qu'il y en a, Berlin. À Berlin, il y en a un très beau à Tervuren. À Bruxelles, que je vous invite à aller visiter, qui a été totalement rénové, qui était l'ancien musée colonial. Il y en a deux en Angleterre. Mmh. Il y en a un aux Pays-Bas, le Tropical Museum. Et un deuxième va ouvrir en Allemagne. Et la Suisse fait deux grandes expositions nationales l'année prochaine. Nous, on en est encore en train de se poser la question de comment on doit parler du passé colonial. Est-ce que tu as une idée du lieu qui pourrait être celui? Alors, ce ne sera pas la Porte Dorée, puisque Jacques Chirac et tout bon ont eu cette grande idée d'y installer le musée de la Porte Dorée, qui est devenu le musée de l'histoire nationale de l'immigration. Et c'est jamais bon de remuer après la terre, mais il faut quand même savoir que Jacques Chirac l'a placé là, le musée de l'histoire de l'immigration, pour éviter d'avoir un musée colonial, je tiens à le rappeler. C'était sa décision première quand il a vidé les collections pour le Quai Branly. Donc aujourd'hui, la question se poserait si on devait créer un musée. Et je ne suis pas sûr qu'il faut prendre un lieu qui soit marqué par l'histoire. Je pense qu'il faut mieux prendre peut-être un lieu neutre ou créer un lieu, car cette histoire aujourd'hui, elle dépasse d'abord le temps colonial, elle travaille sur le temps très très long et elle se poursuit dans le présent. Je rappelle que la France a un dernier particularisme, c'est le dernier pays en Europe à avoir des espaces ultramarins. L'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. Et surtout, très important, il me semble, ce que tu dis de l'enseignement et de la nécessité justement de ne pas exclure de l'histoire, du récit et des jeunes, des étudiants, des élèves qui iront chercher ailleurs de quoi trouver une place dans l'histoire et pas forcément la meilleure. Quand tu fais un vide, les gens sont assez grands pour le remplir tout seul. Ceux qui pensent que parce qu'il n'y a pas une matrice et une politique d'État structurée sur ces enjeux-là, que les gamins ne font rien ou que les adultes ne font rien ou que chacun ne va pas gratter le sable pour connaître son histoire, c'est qu'ils n'ont rien compris au processus mémoriel. Donc un livre qu'il faudrait trouver dans toutes les librairies, ça il y est sûrement, mais dans toutes les bibliothèques scolaires, les bibliothèques publiques, les bibliothèques privées, c'est... Histoire globale de la France coloniale, édité par Philippe Rey, avec une préface très belle de Mohamed Mbungar Sarr, prix Goncourt 2021, je vous rappelle, et ouvrage collectif vraiment remarquable, avec un cahier d'illustrations de 48 pages au milieu, qui est
très, très instructif. Merci, Pascal, merci. Merci à tous et à toutes et très, très bon festival. Signature bientôt. Je signe dans 10 minutes en même temps que vous, parce que vous allez tous prendre les deux livres. C'est très, très bien. C'est une très belle idée. Prenez les deux. À tout de suite. Merci.